Bon, aujourd'hui ma mission c'est poser le bac à douche. J'ai positionné ma bande, j'ai présenté le bac à douche directement sur le sol, j'ai tracé le cercle du trou. Pour faire la grosse, j'ai coupé un panneau à carrelage Bédi. Donc j'ouvre la mode évacuation à 34 cm. Non merde, moi j'ai fait une voiture. Allez, c'est parti. Vite. Ah merde. Voilà. Attends, ça en fout 10. Moi, j'ai essayé de chercher, désolé. Vous voyez ce que je fais là, ouais. Je suis pile poil, quel bonheur. Je disais, comme le sol est très irrégulier, j'ai pris un pulvérisateur pour passer le primaire. Alors je l'ai secoué, le primaire bien. Parce qu'apparemment, ça c'est pas marqué dessus, mais tout le monde le remue, enfin, tout le monde le mélange. Donc je mélange ici. Maintenant, la mission, c'est verser le primaire dans le pulvérisateur sans en mettre de porte. Bon, là j'ai pas collé. J'en crois là. Là j'ai pas collé, si je veux vérifier si du coup le truc était de plomb, c'est bon, c'est parfait, ça a rattrapé. Ça c'est bon.
Alors là, il faut contrôler l'évacuation. Mais j'attends un peu de la sèche, de la colle sèche. Donc en attendant, on va préparer le bac veggie. Alors, on va prendre le bouton. Qui va venir se mettre dans la gorge là. Alors, ils ne le disent pas, mais je vais mettre un peu de graisse de silicone. Déjà, il faut briller, il y en a une de partout. Et moi, je trouve que mettre de la graisse sur un joint, c'est pas déconnant, c'est un peu logique. Ça, c'est ce qui va venir s'insérer dans la réception là-bas. Donc, on met cette partie qui est un peu conique là. On la met face contre le joint. Et on serre à la main. On peut se céder de ça là. Enfin, je pense que c'est même préconisé. Sur les lèvres, là, comme ça, quand il va s'insérer dans le truc, il va s'insérer facilement, en tout cas. Voilà. Ça, c'est pas préconisé, je vous le dis. Juste, je pense que c'est bien de le faire, quoi, pour pas abîmer le joint. Quand on va le mettre en force, parce qu'il rentre en force, enfin, en force, pas tant que ça, mais il rentre poussé, quoi. C'est bon. Bon, test concluant. Enfin, maintenant, on va présenter le receveur. Et ça se met parfaitement dedans. Super. Maintenant, le code à carrelage. Bon, mes petits diablotins, là c'est parti,
Je vais poser les bandes d'étanchéité Beji. J'ai le trouillomètre à zéro parce que j'ai jamais fait ça. Moi j'ai tout préparé hier. Il n'y a plus qu'à coller avec la résine. Mais bon, je suis un peu stressé donc. Là j'ai protégé un peu mon espace de travail. Je vais malaxer les deux produits ensemble. Je vais bien lire la notice pour ne pas faire de conneries. Par contre après je vous parle plus jusqu'à la fin. Hein, parce que je suis stressé, il paraît qu'il faut faire vite et tout. Je vais mettre la clim. Parce que j'ai pas vu que ça sèche trop vite. En plus, la température d'utilisation, hier, j'ai regardé un petit peu, je crois qu'elle n'est pas très élevée. Donc, je vais mettre de la clim là. Et voilà, on va essayer de faire ça bien. Bon les gars, ça y est, j'ai collé les bandes de Veggi avec leur produit. La bande là, la banquette, j'ai pu tout faire. Bon, il en reste un petit peu. Mais bon, heureusement que j'ai le préfère parce que là, ça commence à être un peu short à travailler. Ça devient un peu du sable là. Alors, c'est absolument dégueulasse. Très dégueulasse, mais bon, j'espère que j'ai bien fait le job. Bon, je pense qu'il n'y a pas de souci. J'ai bien trouvé l'astuce là. J'ai bien aimé l'astuce de. Enfin, l'astuce, c'est pas l'astuce, c'est moi qui ai découvert. Attends, c'est une merde. Attends, ça a pas bien marché. De maroufler l'angle avec ça là. Ça, au moins, l'angle il est bon, c'est sûr. Si. Bon, après, ça me stresse pour les bandes d'anglais, donc j'ai dit ou pas, ça me gonfle. Donc, l'angle il est bon, bien collé. Maroufler, mais pas trop haut. Normalement, c'est bon. Je suis content.